Salut les amis, salut YouTube. Vidéo du jour, j'ai pas des bonnes nouvelles. C'est la merde. Grosse pagaille. Alors déjà au niveau de mes systèmes, ils sont tous en PLS. Et vraiment fort, quoi. Je crois que ça a achevé du monde, les dernières levées d'amnésie. Je sais pas comment on va pouvoir traiter ces informations. Peut-être on va dessiner, je sais pas. Mais bon, on a déjà réussi à écrire les faits, mais on n'a pas pu développer du tout émotionnellement parlant. Donc là, ouais, c'est un peu compliqué et en même temps, il y a un soulagement. Je ne sais pas l'exprimer. Comme si j'attendais de reconnaître ça depuis toujours et en même temps, c'est dur de reconnaître ça. Donc ça, c'est un peu compliqué là à gérer, mais c'est pas tellement le seul problème. Donc du coup, j'essaye de mettre ça de côté. Et le vrai problème, en fait, c'est que hier, on avait un scanner. Et donc, je me retrouve avec une micro-lacune de 7 mm sous le noyau lenticulaire droit, plus donc mon trou de 4 mm au niveau de la substance blanche pariétoccipitale gauche. Donc là, en fait, mon cerveau il est en train de devenir un gruyère et tout le monde s'en fout. Voilà. Donc là, j'ai rappelé le 15, je me suis fait un peu plaisir. Mais bon, je suis pas tombé sur le médecin qui m'avait envoyé balader. Donc voilà. Le 15, m'ont conseillé de retourner aux urgences. J'ai appelé les urgences pour leur demander si ça vaut le coup que je me déplace. Bon, ils m'ont un peu pris de haut, mais ils m'ont dit de venir. Donc bah voilà, si j'arrive à trouver la force. Parce que c'est assez difficile quand même dans le corps. J'ai vraiment des gros troubles de proprioception, quoi. Des tremblements et du mal à me situer dans l'espace. Vraiment, c'est chiant. Plus ce tremblement permanent et cette fatigue et tout. Enfin, bref. Donc, faudrait que j'essaie d'aller aux urgences cet après-midi. Donc ouais, c'est un peu le bordel parce que ben dans moi là, il y a personne qui veut aller se faire soigner. Je sais plus quand je crois que c'est la petite peste, mais je suis pas sûr qui a pris plein de rendez-vous chez les dentistes le même jour. Elle a pris 4 rendez-vous chez 4 dentistes différents en racontant des grosses conneries pour avoir des rendez-vous. Et là, le problème, c'est qu'on a rendez-vous le 14. On a 2 rendez-vous dentiste le 14, et là, on n'est pas du tout capable d'y aller. Donc là, c'est vraiment compliqué quand même. Déjà, si on arrive à aller aux urgences cet après-midi, ben, c'est cool. Si on arrive à se faire soigner, entendre, c'est cool. Et là, ouais, il y a des parts, elles ont vraiment pas confiance. Elles disent, ouais, déjà, c'est le bordel dans notre bouche. Si on retourne voir quelqu'un et qu'il fout encore plus le bordel, on va avoir encore plus de problèmes. Donc il y a vraiment pas une absence de confiance absolue. Pareil, là, d'aller aux urgences, bah ils ont tous la trouille. Oh, ça va être une drôle de journée où je suis fatigué. Vraiment. Je ne sais pas comment je vais gérer la situation. Déjà, je vais procéder dans l'ordre. Je vais aller prendre une douche chez mon voisin et voir si je peux conduire jusqu'à Ambert. Et puis, ben, voir comment ça se passe là-bas. Mais ouais, là, c'est. Bon, c'est compliqué à tous les niveaux, voilà. C'est infernal, même.
Bah, je donnerai des nouvelles quand j'en saurai plus. Et voilà. Bon. Et bah, allez, à plus.